ah ah ah. Surprise. On a le hike de Flynn. Et oui, c'est vrai que souvent on vous présente le pic de Flynn. Mais là, il sort son hike. Et Dieu sait que j'adore ce perso aussi. La fandog qui prend ses distances, il fait attention, mais voilà, Flynn. Hike, on sait que ça peut piquer, voilà. Il a une range avec son épée. Hike, faut pas déconner. Deuxième épée la plus grosse du jeu après Sephiroth, je pense. Ah, il y a Corinne aussi, mais non, c'est résolu, je crois. Voilà, Hizo. Hizo. Oh là là, voilà, il revient quand même, Flynn. Fais attention. Il a pas peur, hein, puisqu'il a fait ça de la canette. Ça, c'est puni, non? Avec un petit frisbee. C'est timide, mais il y a le smash derrière. Et on connaît tous la roco de Hike, faut faire gaffe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on se rapproche. Attention à ce upper, le dernier hit n'a pas touché. Rappelez-vous, c'est le dernier hit du upper de, du duo Deccan qui tue, hein, souvent. Enfin, qui éjecte, pardon. Flynn qui a fait un très bon début, voilà. Il est très patient, il essaie de passer bien au-dessus de l'objectif des projectiles. C'est son objectif. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de plateforme, je sais pas, vous m'en direz des nouvelles, mais moi j'ai l'impression que des fois ça avantage un peu les joueurs qui jouent contre les honneurs, quoi. Ok. Voilà, par contre avec Ike on peut pas aller Edgeguard non plus au fin fond du monde. Ouf. Il avait super bien couvert le terrain aérien là, l'ami Fandog. Et là il n'y a pas de punition, ok. Moi je pensais que des fois il en mettrait comme ça. Voilà, par contre on revient. Eh non, dommage. C'est dommage, il était bien revenu. Ah bah il revient quand même, ok. Autant pour moi. Voilà, Ike qui va aller faire cette attaque, mais qui se jette dans les bras ou dans la gueule de, du loup. Voilà, il achète à crater, attention. Flynn qui cherche un peu. J'ai l'impression que. Bah, c'est dommage, il a fait un bon début. Après, Ike est très bon pour mettre du pourcentage à bas pourcent, mais pour tuer, même si c'est. Il a des gros kill moves, Ike. Il y a 0 sur 6 sous ça. 0 souci sur ça. Il faut quand même les trouver, hein, parce que Fandog fait que se barrer. Et Ike est quand même plutôt lent. Il a pas de shop qui tue aussi. Ça, c'est assez gênant. Ah, dommage, il se prend ce canette, il a trop attendu. Là, il se prend aucun neutral air. Ouh, le contre, et c'est le cowboy qui a pris un gros contre dans la tête. Vous avez vu, il est tombé. Voilà, et ça va pas tuer, mais ça tue à combien ce coup? Voilà, gros fer. Dégage de là. Les trajectoires sont assez stylées quand il t'éjecte, Ike. Voilà, on se positionne tranquille. Là. Par contre, là, on se prend les combos. T'es pris la canette, c'est tout qui va derrière. Ok, on a choisi de revenir vers l'eau. On a bien esquivé ça. Ah, dommage, il a, je crois qu'il y a un missing put. Il y a un smash qui allait partir, je crois. Pareil, je me demande si quand il fait le side B, il essaie vraiment de raccrocher le bord ou si c'est volontaire qu'il revient en plein milieu du terrain. Voilà, 7, 7, 7. On fait les gros fers avec Ike. Oh, voilà, c'est puni ça. Voilà. Non, c'est juste avec ce throw. J'aurais pu faire un autre coup. Après, Ike, c'est vrai qu'il a des coups quand même lents. Son F tilt est très lent en. Flynn s'en sert jamais, non, Flynn! Dommage. Bon, rien n'est fini. C'est sûr que c'est très embêtant toujours de perdre une stock comme ça. Mais rien n'est fait, tout pour monter. Il peut vite trouver un kill avec Ike, quand même, faut pas déconner. Il a du mal à passer. Voilà, ah, dommage! Il y a le frisbee qui a arrêté ça, mais là, il avait un gros black air de gratuit, je crois. Voilà, avec le fer, dégage, on te dit. Attention à cette canette, par contre. Voilà. Aïe, 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 il a roll et du coup. Le frisbee a couvert l'option. En même temps, il y avait la canette aussi qui l'empêchait un peu de sauter. C'était. Couvre pas mal d'options, l'ami Fandog au ledge. Hein. C'est un peu son but de faire des ledge traps bien chiants. Voilà, là, il couvre l'eau, il met la canette, le frisbee en bas. Et du coup, Flynn se le prend. Il attend derrière son bouclier. Voilà. Le bout du trailer de Flynn qui touche. Il va essayer d'aller tuer, non? Ouf. Ah, le backer qui passe au-dessus du chien. Le chien. C'est pas un gros perso du haut deck, hein. Du coup, avec les persos comme ça où il faut être précis, c'est vraiment pas facile, Flynn. Non, il y a eu malheureusement une esquive aérienne qui est sortie. Et c'est fort dommage. Merci Sam Sambir de me faire la remarque.
Et allez, on repart sur du DF. Allez, faire, les faire. De l'ami Duckhunt. J'aime beaucoup la façon de jouer de Finn quand même. Bon, après, c'est les gameplans de Ike. Hein. Il y a beaucoup de neutral air. C'est vraiment un de ses meilleurs outils. Voilà. Ouh, voilà. Alors, ça, c'est les combos du 1. Mais qu'est-ce que j'aime? Un petit neutral air. Le mec, il va piffer une air dodge pour pas se prendre la suite. Et toi, tu cherches ton gros smash, mon gars. Ça ressemble pas mal au mind game des fois que fait Mika. Bon, c'est des mind games assez classiques, mais. Qui sont toujours plaisants à voir. Et quand tu te les prends, t'es là, tu vas. Ah non, pourquoi j'ai fait ça? Descend, il connaît bien son perso, voilà, on lui met tous les grises et après il essaie d'aller récupérer le père. Et normalement, voilà, je sais pas si c'est trop ou quoi ça, le père après. Finn vous le dira, vous savez que Finn est quelqu'un de très technique qui connaît tout sur son perso, sur beaucoup de choses dans le jeu d'ailleurs. Si vous voulez écouter, commenter, caster, vous savez que c'est un peu une bible du jeu quand même. Hein. Il fait partie de ce genre de joueur, Finn. Il connaît beaucoup de frame data, beaucoup de. Enfin, beaucoup de trucs. Voilà, par contre, la canette explose là. Et voilà, il récupère 7 stocks. Et du coup, ça revient serrer le match. J'ai l'impression que Finn a quand même mieux géré ses débuts que tout à l'heure. Voilà, il a le temps de punir quand même avec ses frisbees qui sont longs à partir. Heureusement, Duckhunt, enfin, même tous les honneurs, du moment qu'ils font leur projectile, ils ont quand même un petit temps d'animation qui est un peu long. Un temps de lag quoi. Et. Ça permet à des persos de venir punir très facilement. Ike, c'est pas forcément le genre de perso qui peut venir très facilement, étant donné qu'il est pas super rapide. Mais il est quand même une bonne range, donc comme ça, voilà, moi c'est ça les mind games que je veux avec Ike. C'est ça qui me hype. C'est ça qui lui manque à Finn avec son petit Ike. Il est tellement technique avec son pit, il a tellement l'habitude de mettre des smash qui partent rapidement avec son pit et tout, que quand il joue Ike, il ose pas quoi. Il préfère jouer vraiment avec beaucoup d'attaques aériennes, je remarque. Pas vraiment de tilt, hein. Si les down tilt c'est tout, mais je crois que j'ai vu aucun forward tilt depuis le début, sans déconner quoi. Et les upper bien sûr. Oh là là, c'est ça qu'on veut mon gars. Ça, ça me fait plaisir. Ah voilà Ike. Le Flynn de Ike, voilà c'est ça. C'est ça que je veux voir Flynn. Je sais que il avait déjà sorti Ike sur quelques dernières games, mais voilà, il lui manquait cette petite touche de folie. Et je sais que quand il joue pit, il joue tellement carré, t'es genre habitué à faire ses up tilt, neutral air, toujours ses petits combos. Pit a des smash qui partent super rapidement, donc qui se permet de les faire. Mais c'est le genre de joueur qui en fait très peu finalement. Quand vous voyez son gameplay avec Finn, c'est vraiment 100%, j'allais dire presque aérien quoi. C'est vraiment neutral air, up air. Les fers, les back air, enfin voilà, c'est beaucoup ça quoi. Il met quelques down tilts parce que c'est pratique. Mais j'ai pas vu un F tilt en 3 matchs de sa part, enfin ce genre de choses quoi. Et voilà, il lui manquait ce petit grain de folie. Quand je joue des gros persos, c'est comme Mika, tu vois. Mika il joue Bowser, tu vois bien qu'il fait des grains de folie de ouf tout le temps quoi. C'est les persos de la création. T'es obligé d'être un peu foufou dans ta tête. Et on est toujours sur DF hein. Écoute, si Fandog aime bien DF, tant mieux pour lui. Après c'est vrai que les plateformes, je pense que Flynn avec les plateformes, avec son Ike, il peut faire des trucs très très sales. Et Fandog a peut-être envie d'éviter ça. Ouf, gros backer, voilà. Je pense que Flynn, enfin Fandog a peut-être envie d'éviter ça. Ouf, voilà, mais c'est, n'empêche c'est ça hein, Flynn. Enfin je te donne mes conseils, hein. N'écoute pas mes conseils de gros bourrin, de gros bill comme on dit. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut se créer des occasions comme ça. Mika, c'est un peu le professionnel, il joue des gros persos pour faire des trucs comme ça. Et je pense que des fois, t'es un peu obligé. Et on a une des meilleures musiques de WarioWare, les mecs. Cette musique, j'ai la tête qui bouge dessus, si vous saviez. Ça me rappelle tant de souvenirs. Voilà, les setups. De la Mi Fan Dog, non. Ouf. D'ailleurs, bonne question, je sais que Finn, des fois, quand il fait des smash hauts comme ça, il me confirmait après dans les coulisses que ouais, je voulais pas faire ça en fait, c'était un tilt ou je sais pas quoi. Ça se trouve, il y a moyen qu'il y ait des up smash s'il est fait qu'il voulait pas. Celui-là, par contre, Dubby, il était magnifique. Il a tenté le petit
Down air. Voilà, là on se raccroche au bord. Allez, je te chope. Up air. Ah, vous voyez, il y a un petit F-tilt qui est parti de la part de Flynn. Vous voyez, quand je vois Flynn jouer avec, ça me donne envie de jouer avec. J'adore ce perso, j'adore ses fers. C'est... Voilà. À la Fandogs qui essaie de se barrer. Il a un peu plus de mal à mettre son jeu, je pense, Fandog aussi. Ça fait peur à Ike aussi, hein. Franchement, ça zone de ouf. Allez, la canette! Oh là là! Heureusement qu'il y a le cowboy! Allez, on pose le Mexicano. Voilà, ça c'est puni ça. Oh non, ça se rattrape. Et en plus, le side B de Ike, du coup, tape dans la canette, ça ne passe pas forcément. Voilà, après, il s'est fait avoir par les setups de l'ami de Kent. Voilà, le upper. Le upper. Non, il n'en fait pas de notes, il a lancé la canette pour aller là-bas. Voilà, entre approche. Oh là, mais c'est ce combo! Là, il a fait une stock, l'ami. Ah! Voilà, un F-tilt de la part de Flynn, ça fait plaisir, j'adore ce coup. C'est un peu, grosso modo, le F-tilt à la Sephiroth au final, hein. Sauf que ça va moins loin, quoi. Et je trouve que ça fait plus mal. Après, je sais que Sephiroth, il a des, il a un Sour Spot, un Tipper et tout, il me semble, un peu, sur son coup. Ike, je pense que n'importe où, tu te prends le truc. Voilà ça qu'on veut. Ah là, Flynn, il me fait plaisir, hein. Sur ce game Gros backer, mon gars. Ouais. Pas facile pour Fandog là. Ça me rappelle un peu au début quand Fandog sortait de Duckhunt, quand tout le monde se faisait poutrer, comprenait rien. Et au fur et à mesure, les joueurs ont compris. Maintenant, Mika arrive à comprendre Duckhunt. D'ailleurs, de ses dires, c'est pas si difficile que ça quand tu connais. Est-ce qu'il est en train de se passer la même chose pour Finn? Parce que je sais que Finn a quand même beaucoup de mal, hein, contre l'ami Fandog. Et ça reste sur DF quoi, jusqu'au bout. Hein. Fandog a peur à ce point des plateformes avec Ike. Ah moi je comprends, hein, que ça fasse peur, y a pas de soucis, hein, c'est effrayant, mais elle a même pas, il essaie. Après je sais pas s'ils ont déjà friplé son Fandogs contre son Ike. Ça passe, ouais, y'avait même pas besoin de faire de wall jump, ok. Je pensais qu'il y aurait peut-être eu un wall jump dans le tas, dommage que le père n'ait pas passé, peut-être que le backer aurait suffi. Finn se rapproche beaucoup, j'aimais aussi quand il essaie de se barrer comme ça, l'air de dire je vais dead dance, en fait y a pas de dead dance dessous, s'il se retourne il met direct un gros fer quoi. Ouf. On va atterrir, voilà, Fandogs qui commence à bien reprendre sa maîtrise du terrain, attention, pas se faire avoir avec ça. Et Finn se rapproche direct, il a compris quoi, il veut pas laisser respirer, ça c'est puni, non? Pas un Mercano! Allez, le cowboy, voilà, Finn se revient, Fandogs, attention, voilà, on se barre. C'est qu'il fait que se casser, Fandogs, hein, c'est un truc de ouf. Mais il faut, casse-toi mon gars. Te laisse pas frapper par ce gros bourrin de Ike. Ah oh, mais c'est une musique de WarioWare, merci quoi. Voilà, le petit backer qui est trouvé enfin. Allez, il va jouer avec la canette. Non, c'est pas passé, ok. Le cowboy qui touche pas, la canette qui est renvoyée. Attention à Flynn qui place ce backer après trouver ce neutral air. Et le coup contre coup qui est vachement rentable pour Flynn. On l'éjecte. Oh non! Putain, mais j'ai cru qu'il... Ouais, merci Fandog quand même. Ils sont allés bas les deux, ça m'a fait peur. Hein. J'ai cru qu'il allait se passer un gros down air, le gros spike Flynn. Il essaie de read quand même beaucoup de... Tant avec Ike, il faut quand même. Des fois, c'est un peu comme le buzzer de Mika au final. Les gros persos, c'est ça. Des fois, t'es vachement obligé d'anticiper, d'essayer de lire. Plus que quiconque, je trouve. Voilà. Voilà, repousse. Ah, Duckhunt qui essaie d'avoir Ike à son jeu là. Il a fait une phase plutôt agressive. Sans contrôle de terrain. Attention à ça. Ouf. En fait, Ike, son fer, c'est du balayage quoi. Il balaye. T'as l'impression qu'il veut juste balayer. Ouf. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut. C'est des embrouilles comme ça. Ça, c'est puni, non? Il arrive pas à punir à chaque fois le billet quand il retombe, Ike.
Pourtant ça a pas l'air si safe que ça, hein. Je pense qu'il y a au moins un frisbee qui passe gratos, hein. Ouf, attention à ça. La petite canette balancée. On pose le cowboy. Ça passe au-dessus, ça cherche, ça cherche. On tourne autour. Aïe aïe aïe. Cette dash attack, ça c'est vraiment du vrai balayage quoi. C'est vraiment, il passe et ouf. Gros coup d'épée. Aïe aïe, Fandog qui est un peu surmené là. Il faut surtout pas qu'il perde, voilà. Si, non, on rappelle que si Fandog perd cette game, il est éliminé vu que c'est la loser finale. Aïe aïe aïe. Oh, oh. J'ai l'impression que ça allait finir pour un douille comme ça. Ça fait un moment qu'il essayait de se mettre ce bio bord et il y arrivait. Et voilà. Flynn du coup l'a fait enfin, hein. Je crois que c'est sa première victoire avec Ike sur Fandog, en tout cas aussi loin dans le tournoi quoi. Et voilà, peut-être qu'il s'est dit j'en ai marre de Pete contre Fandog, à chaque fois j'arrive pas.